nous sommes très heureux ce matin, Journée internationale de la paix, qui va être célébrée partout, même si on n'en entend pas beaucoup parler en France, à New York, à Hiroshima, dans des grandes villes du monde. On va célébrer, les enfants vont célébrer la paix aujourd'hui. Voilà. C'est en 1981 que l'organisation, donc l'ONU, Organisation des Nations Unies, a décidé de célébrer une journée de paix. Une journée de paix pour sensibiliser les gens, les citoyens, à l'idée de non-violence, parce que la paix, c'est pas seulement ne pas faire la guerre, c'est aussi la non-violence. Et puis pour essayer de faire en sorte que les armes se taisent au moins une journée. Malheureusement, ça n'est pas encore arrivé. Bon. En 2001, l'ONU a décidé que ce serait le 21 septembre. Le mouvement de la paix au niveau national et local a pris sa part pour développer donc la culture de paix. Et pour marquer notre volonté de cultiver la paix au lieu de pérenniser la guerre, eh bien nous avons décidé de planter des arbres qui sont symboles de paix. Vous savez comment il s'appelle cet arbre, les enfants? Oui. Comment il s'appelle? Ah, c'est un mot compliqué. Un ginkgo biloba. Mais le sac, arbre de la paix. Très juste. Déjà, ça y est, les enfants savent tout ici, c'est formidable. Pourquoi cet arbre? Aussi, certains le savent peut-être. Hiroshima. Non? Non? Pas encore, mais ça va venir. Hein? Oui. Ben parce qu'il pousse bien cet arbre, en effet. C'est le premier qui a repoussé après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Les villes étaient transformées en une sorte de désert lunaire. Il est donc ressorti le premier. Et donc c'est pour ça que nous l'avons choisi comme symbole. Alors cette année, nous avons de la chance parce que la journée est placée sous le signe du partenariat pour la paix et pour la dignité pour tous. Alors ici à Saint-Cernin-de-l'Arche, grâce à vos élus et aux enseignants, vous avez décidé de relever ce défi, d'essayer de faire du monde un monde de paix où chacun, finalement, aurait le droit à la dignité. Nous avons bien tous conscience que, finalement, la non-violence et la paix, ça commence très tôt. Et nous disons, nous, que ça doit se cultiver du quartier à la planète, de la cour de l'école jusqu'aux plus hautes sphères de la société. Nous pensons en effet qu'en discutant, en s'entendant, en se donnant la main comme vous le faites, hein, en s'amusant ensemble, on règle mieux les conflits parce qu'on n'est pas des doux rêveurs, hein, on sait bien que les conflits ça existe tout le temps, et ben, on règle mieux les choses que quand on se donne des coups de poing. Peut-être que quand vous jouez au rugby ou autre, de temps en temps, il y a des coups de poing qui partent, mais ce n'est pas forcément violent, vous n'avez pas envie de tuer votre camarade, vous avez juste envie un petit peu de montrer que vous êtes supérieur. Bon, mais ça, c'est pas méchant. Mais on est sûr au mouvement de la paix, et vous en êtes certains aussi, que discuter, se rencontrer, s'entendre, ça vaut mieux que la violence verbale et les coups de poing. Et ça, c'est valable aussi au niveau des pays. Hein. Avant de faire la guerre, nous pensons qu'il faut, nous, chercher toutes les raisons et tous les moyens de faire la paix. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, il faut s'asseoir à une table de négociation. Voilà. Il vaut mieux commencer peut-être avant de faire des morts, des destructions, avant de mettre des milliers de personnes sur les routes, comme on les voit en ce moment, l'exode de ces populations qui sont chassées par la guerre. Mais il faut essayer de travailler aux causes. Les causes, qu'est-ce qui finalement déclenche les guerres? Nous nous sommes persuadés que faire reculer la misère, les injustices, l'ignorance des populations, c'est éviter de les pousser dans les bras de fanatiques religieux ou de despotes politiques. Utilisons à des fins de développement, d'éducation, de santé pour les plus démunis, les moyens que nous mettons pour acheter ou fabriquer des armes. Nous voulons, pour les enfants du monde, pour vous, un monde plus fraternel, plus juste. Nous sommes sûrs, ici, à Saint-Cernin, que petits et grands auront à cœur de développer la culture de paix et de non-violence au fur et à mesure de la croissance de cet arbre que vous allez planter. Merci. J'ai été sollicité il y a quelques mois par les représentants du mouvement de la paix pour observer cette journée de la paix ici à l'école de Saint-Cernin.
Mais j'ai tout de suite dit oui, parce que pour moi, l'école joue un rôle important dans le développement de la culture de la paix, en complément de l'environnement familial qui joue aussi là, un rôle important. Le rôle de l'école, c'est d'enseigner la tolérance et de développer chez l'enfant le sens de la responsabilité. Donc, j'éprouve un immense plaisir de nous retrouver tous réunis ici aujourd'hui et je remercie les enseignantes d'avoir accepté sans hésitation d'associer les enfants à cette journée de commémoration. Donc, cette journée permet de se réunir autour d'une date pour agir mieux vers un monde exempt de guerre, d'inégalité, d'injustice. Et nous devons nous engager à enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance et de respect mutuel. Alors, la paix recouvre plusieurs significations. Et si on vous demande, les enfants, qu'est-ce que c'est la paix pour vous, je pense que chacun d'entre vous, vous aurez peut-être un mot différent, une signification différente. Parce qu'effectivement, la paix engendre beaucoup de choses. Chez le petit, chez le nourrisson, le petit qui est dans les bras de sa maman, ben, la paix, c'est la sécurité, c'est l'affection maternelle. Hein, pour vous, c'est la joie de vivre, la joie de découvrir, de la découverte. Mais c'est aussi la confiance, l'entente. Chez l'adulte, la paix, c'est la paix dans son foyer, c'est la paix dans son travail, avec ses collègues, avec ses voisins, dans sa commune. Donc aujourd'hui, nous allons planter un arbre, et cet arbre, nous avons dit, nous allons l'appeler l'arbre de la paix. Voilà. Alors cette plantation, c'est un acte symbolique qui associe à la culture de la paix, aux notions de bien vivre ensemble, car au-delà de nos différences, c'est aussi accepter la différence de l'autre. C'est ne pas avoir peur des autres, mais accepter la différence des autres comme une richesse. C'est tous ensemble, avec des enfants des pays proches ou lointains, construire des ponts de solidarité et de fraternité. La paix, c'est aussi respecter les règles de vivre ensemble, en classe, d'écouter sa maîtresse sans faire de bruit, de jouer dans la cour sans faire mal, sans créer de conflit. C'est aussi de respecter le chauffeur dans le bus. C'est aussi la paix de ne pas crier à la garderie ou à la cantine. Et puis c'est aussi chez soi, à la maison, avec ses frères et ses sœurs et ses parents. C'est là aussi que l'on commence à respecter la paix. Donc chaque jour, dans la vie quotidienne, eh bien, essayons de mener au moins une action en faveur de la paix. Alors tout à l'heure, vous allez interpréter un message au travers d'une chanson que vous avez apprise en classe avec vos maîtresses. Et pour ne pas oublier ce message que vous allez traduire, eh bien, on va vous offrir, la commune va vous offrir un petit souvenir, un petit porte-clés, une petite colombe qui tient dans son bec une branche d'olivier. C'est un symbole de la paix. Et ben, j'espère que chaque fois que vous verrez cette petite colombe, ben, vous vous direz, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait en faveur de la paix? Alors, on vous les distribuera tout à l'heure, vos enseignantes, vos maîtresses, vous les distribueront tout à l'heure. Hein. Donc, tout le monde aura ce petit message. Et puis maintenant, ben, nous allons planter l'arbre de la paix.
Mais bon, en même temps... Oui, voilà. En agrolière, ils avaient mis une chaise. Ah oui. Et les petits, ils montaient sur la chaise. Ils sont pas bien installés. C'est jamais. Avec le bol qu'on vit. Avec le bol qu'on vit. Non, non, mais il y avait quelqu'un qui montait sur la chaise. Bon, mais là, il suffit qu'il soit aidé d'un adulte. Il désigne un point où l'adulte... Tiens, tu veux le mettre là? Voilà. Merci. Les grandes. Ah, elles vont nicher celles-là, là. Bon, tiens bien, c'est bon, hein, c'est bon. Jérôme. Tiens, Lou, tu vides ta pelle et tu me l'amènes. Mets pas sur la tête, mets pas sur la tête, je vais pas sa taille trop tard. Ça se fuit avec les gens, ça a débordé. Je peux y aller. Théo, tu me donnes la pelle, Théo. Donne-moi la pelle maintenant, chacun son tour. Non, mais c'est chacun son tour. Benjamin, tu as le coup, toi. Vas-y, voilà. Pas sûr que les pelles tiennent toute la cérémonie. Oui, c'est vrai. Déjà qu'il commence. Avec tous ces volontaires pour mettre la terre. Oula. Non, un morceau de gâteau. Un morceau de gâteau et un morceau de gâteau. J'aime pas les gâteaux.